Bonjour à vous, je vous remercie de m'avoir rejoint pour ce nouveau rendez-vous. Je suis très contente de vous retrouver durant cette séance. Je vous présenterai aujourd'hui, ou je continuerai à présenter aujourd'hui, la manière avec laquelle on écrit une phrase simple. Donc, la dernière fois, nous avons commencé par voir comment on écrit une phrase composée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément d'objet direct. Donc, si vous vous rappelez, le complément d'objet direct, complément d'objet direct, je vous avais dit que nous pouvons le reconnaître quand on pose la question qui ou quoi. Ça, c'était la séance précédente. Aujourd'hui, nous allons voir un autre complément d'objet qui, lui, cette fois-ci, est indirect. Donc, complément d'objet indirect. Et vous allez voir, il y a d'autres questions que nous devons poser pour reconnaître le complément d'objet indirect. Ce n'est pas très difficile, il faut juste essayer de se rappeler de la règle. Pour cela, j'ai choisi quatre verbes. J'ai choisi le verbe écrire, le verbe réfléchir, le verbe parler et le verbe douter. Avec le verbe écrire, nous allons écrire une phrase composée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément d'objet indirect. Alors, le sujet, je le choisis, ça va être Marie. Mon verbe, je le connais, mais je ne connais pas le temps. Il faut que je choisisse le temps. Le temps, ça va être le présent de l'indicatif. Donc maintenant, l'accent se passe maintenant. Ce qui me donne Marie écrit. Marie écrit à David. Parce que Marie fait quoi? La question que j'ai posée ici, c'est Marie fait quoi? Et la question que je pose directement après mon verbe, c'est à qui? Alors, remarquez bien, lorsque j'avais le complément d'objet direct, la question que j'ai posée, c'est qui? Mais le complément d'objet indirect, il a besoin de cette petite préposition qui est là. Et c'est elle qui change tout. C'est parce que ce verbe-là, il se construit avec cette préposition. Donc, parce que j'ai mis ce A, je vais le mettre ici, à qui? Et à ce moment-là, là, je dis que j'ai un complément d'objet indirect. Qu'est-ce que ça veut dire un complément d'objet indirect? C'est quoi un complément d'objet? L'objet, c'est le sujet. Donc ici, nous avons commencé le sujet. On a dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Marie écrit. Alors, Marie écrit, c'est comme si la phrase, elle n'est pas complète. Donc, nous allons la compléter avec ce complément, en répondant à la question à qui? Marie écrit à Dalila. Très bien. Maintenant, j'ai le verbe réfléchir. Encore une fois, je vais réfléchir à mon sujet. Qui est-ce qui va faire l'action? Celui qui va faire l'action, ça va être plusieurs personnes. Donc, je vais utiliser nous. Moi aussi, je fais partie de ces personnes-là. Donc, je vais mettre nous. Je vais rester dans le présent. Donc, le verbe réfléchir, ça va se passer maintenant. Ce qui me donne nous réfléchissons.
Alors, je vais mettre ONS, VNO, parce que j'ai nous. Nous réfléchissons. Nous réfléchissons. Là, la question qui se pose, nous réfléchissons à quoi? Nous réfléchissons au problème. Les mêmes questions, on les a posées ici. Là, Marie fait quoi? Ici, nous faisons quoi? Nous faisons quoi? Nous réfléchissons. Après, ici, la question qui se pose, à quoi? Nous réfléchissons au problème. Ici, j'ai dit à qui? Parce que Dalila, c'est une personne, c'est un être humain. Ici, je dis à quoi? Parce que le problème, ce n'est pas une personne. D'accord? C'est une idée, on va dire. Donc, nous réfléchissons à quoi? Ce à quoi, je vais le mettre avec le complément d'objet indirect, parce que, encore une fois, j'ai cette préposition à. J'ai ce petit pont que je dois traverser pour pouvoir arriver au mot problème. Donc ici, je vais mettre à quoi. Ce n'est pas fini. Maintenant, nous allons voir. Donc, attendez un instant. Un peu de patience. Je vais vous mettre ici complément d'objet indirect. Voilà. Maintenant, j'ai choisi le verbe parler. Alors, parler, je parle. Alors, nous allons choisir notre sujet. Le sujet, ça va être je. Je. Le verbe parler, il va être conjugué au présent. Donc, l'action, elle se passe maintenant. Ce qui me donne, je parle. Je parle. Alors, regardez, ici, j'ai « je », donc je mets un « e ». Ici, j'avais « Marie », donc j'ai mis un « t ». C'est un verbe du troisième groupe, un verbe du deuxième groupe, un verbe du premier groupe. Donc, je parle de quelque chose. Par exemple, je parle je parle des voyages ou du voyage. Je parle du voyage. En rouge. Du voyage. Encore une fois, nous posons nos questions. Ici, je fais quoi? Je fais quoi? Je parle. Ici, de quoi? Je parle de quoi? Je parle du voyage. Remarquez bien, ici aussi, par rapport à là, quand j'avais le complément d'objet direct, j'ai utilisé directement quoi, mais ici, j'ai utilisé cette préposition parce que j'ai dit du voyage. Et parce que j'utilise cette préposition avec quoi, je suis dans le complément d'objet indirect. De quoi? Toujours ce pont-là que nous devons traverser pour arriver au complément. Très bien, donc là, je vais vous mettre complément d'objet indirect. Très bien. Maintenant, j'ai le verbe douter. Douter, encore une fois, je choisis un sujet. Ça va être vous. Vous. Mon verbe, ça va être avec vous. Vous doutez est toujours au présent. Vous doutez. Vous doutez. Vous doutez de qui? Vous doutez de nous. Très bien. Donc, la question que j'ai posée ici pour avoir une réponse, vous faites quoi? D'accord? Vous doutez.
la question que je pose ici pour avoir cette réponse, vous doutez de qui? Vous doutez de nous. Et donc, vous voyez, j'ai encore cette petite préposition, je la mets en rouge, c'est mon indice, donc je pose la question directement après le verbe, de qui? Donc, je vais la placer ici. De qui? Et de nous, c'est mon complément d'objet indirect. Voilà. Ce n'est pas compliqué, comme je vous l'ai dit. Il suffit de se rappeler de la règle. Il suffit aussi de le prendre comme un jeu et de pratiquer à la maison, à écrire des phrases, à apprendre des verbes, savoir si le verbe il se construit avec une préposition ou sans préposition. D'ailleurs, c'est quelque chose que nous allons voir dans la séance prochaine. On va faire ensemble une liste, on va regarder un texte et établir ensemble une liste des verbes qui se construisent avec la préposition et ceux qui se construisent sans préposition, sachant qu'il y a des verbes qui se construisent avec et sans préposition en même temps. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis à la séance prochaine. Au revoir.